Près du pôle Nord, il existe un pays qui s'appelle la Glaçonie. En Glaçonie, il n'y a qu'une seule saison, l'hiver. En Glaçonie, quand il ne neige pas, il gèle, et quand il ne gèle pas, il neige. Brrr, quel pays glacial! En Glaçonie, il fait si froid que tout le monde est enrhumé. C'est facile de reconnaître les glaçons. Ils ont tous le nez rouge. En Glaçonie, les chiens au nez rouge poursuivent des chats au nez rouge qui chassent des souris au nez rouge. En Glaçonie, même les éléphants ont le nez rouge. En Glaçonie, le bruit que l'on entend le plus souvent, c'est... Achou ! Forcément, puisque tout le monde est enrhumé. Monsieur Atchoum habitait à Froid de Canard, la capitale de la Glaçonie, dans une petite maison ensevelie sous la neige. Chaque matin, dès son réveil, Monsieur Atchoum éternuait. Puis il se levait en éternuant, descendait l'escalier en éternuant, déjeunait en éternuant, allait se promener en éternuant. Il éternuait tout le temps. J'en ai assez d'éternuer tout le temps, se dit-il un jour. Je vais quitter la Glaçonie. Peut-être que ça passera. En éternuant, il fit sa valise, il la remplit de mouchoirs, puis il ferma la porte de sa maison en éternuant et s'en alla en éternuant. Il marcha longtemps, longtemps. Il éternua beaucoup, beaucoup. Il marcha pendant des jours et des jours. Chemin faisant, M. Atchoum s'aperçut qu'il y avait de moins en moins de neige. Finalement, il n'y en eut plus du tout. Chemin faisant, M. Atchoum remarqua autre chose. À chaque pas, il éternuait de moins en moins. Et finalement, pour la première fois de sa vie, il n'éternua plus du tout. Pas le moindre petit Atchoum. Je me demande pourquoi je n'éternue plus, pensa-t-il. Il avait dû penser tout fort, car il entendit une voix lui répondre. Parce que vous n'avez plus de rhume, pardi. Monsieur Atchoum sursauta, se retourna et se trouva nez à nez avec un vieux magicien à l'air fort savant. C'est quoi un rhume? Demanda Monsieur Atchoum. C'est une maladie qu'on attrape quand on a froid. Ah bon, dit Monsieur Atchoum. J'ignorais que cela s'appelait un rhume. Mais vous avez sans doute raison, car je viens de Glaçonie, un pays où il fait froid à longueur d'année. C'est impossible, s'exclama le magicien. Il ne peut pas faire froid tout le temps. Vous oubliez le soleil. Et il montra du doigt le soleil qui brillait dans le ciel. En Glaçonie, il n'y a pas de soleil, dit Monsieur Atchoum. « Pas de soleil !» répéta le magicien. « Comme c'est bizarre. Vraiment très, très bizarre. Mais il faut faire quelque chose. »« Oh, oui !» répondit Monsieur Atchoum, sans comprendre ce que voulait dire le magicien. « C'est loin, la Glaçonie ?» demanda le magicien. « À des milliers de kilomètres !» Dans quelle direction exactement? Monsieur Atchoum indiqua le nord. Ça ne prendra pas longtemps, dit le magicien. Il agita sa baguette et marmonna une formule magique. La formule magique fit merveille. Avant d'avoir eu le temps de dire Atchoum, Monsieur Atchoum et le magicien se retrouvèrent à Froid de Canard. Comme d'habitude, il neigeait. J'en ai des frissons dans le dos, dit le magicien. Pauvre Monsieur Atchoum, il éternuait de plus belle. Un petit rayon de soleil arrangerait tout, dit le magicien. Pour cela, rien de mieux qu'un brin de magie. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, dit Monsieur Atchoum. Je me transforme en bonhomme de neige. Dès que j'aurai prononcé ma formule magique, ajouta le magicien, vous devrez éternuer trois fois de suite.
Le vieux magicien agita sa baguette et prononça sa formule magique. Dit Monsieur Hatchoum. Aussitôt, comme par magie, ou plutôt véritablement par magie, le soleil apparut entre les gros nuages noirs et il cessa de neiger. Fini les rhumes et les éternuements, s'écria le magicien. Il marmonna une dernière formule magique et après avoir dit au revoir, hop, il disparut. Monsieur Hatchoum resta là, sous le soleil, à regarder fondre la neige. Depuis ce jour, le soleil brille sur la glaçonnie, et la glaçonnie a beaucoup changé. On y voit toujours des chiens poursuivre des chats qui chassent des souris. Mais ils n'ont plus le nez rouge. On n'y entend plus des Hatchoum à longueur d'année. Même Monsieur Hatchoum n'éternue plus. Plus jamais. Ce n'est pas tout. L'autre matin, Monsieur Hatchoum s'est regardé dans la glace. Il s'est trouvé tout changé. Tu vois pourquoi ? Pourtant, ça lui était déjà arrivé une fois. Mais quand ? Thank you.